connaître son risque et se surveiller. Chacun suivant son type de peau et ses habitudes d'exposition solaire a un risque différent de développer un mélanome. Il est donc nécessaire de connaître son risque et de savoir se surveiller. Protection solaire. Compte tenu de son rôle clé dans l'apparition de la plupart des mélanomes, le premier conseil est d'éviter de s'exposer au soleil sans protection et de façon excessive. Pour être efficace et suivi, ce conseil doit, en réalité, être modulé en fonction des caractéristiques de chaque sujet. D'une part parce que le soleil exerce des actions bénéfiques sur l'organisme, ne serait-ce que sur le moral, ou encore la synthèse de vitamine D. D'autre part parce que tous les interdits incitent à la transgression. Il appartient donc à chacun de trouver le mode de consommation solaire qui lui est adapté. Plus l'on présente des facteurs de risque tels que peau claire, bronzant difficilement et prenant régulièrement des coups de soleil, avec des marqueurs roux, taches de rousseur, cheveux roux, blond vénitien, auburn, poils roux dans la barbe, ou grains de beauté nombreux, irréguliers et de grande taille et témoignant d'une instabilité des mélanocytes, plus il faut se protéger et être vigilant. Plus la peau est mate et bronze, identifier les risques liés aux activités. Il convient aussi d'identifier les risques liés à ces activités, de loisirs ou professionnels, personnes travaillant dehors exposées en permanence au soleil, et de se méfier des fausses protections comme un ciel nuageux, l'auto-examen de sa peau, vigilance. Le deuxième conseil que l'on peut donner est d'être très vigilant et de pratiquer l'auto-examen de sa peau régulièrement et cela quel que soit son type de peau. Cela veut dire qu'il faut se regarder. Regardez ses proches et ne pas hésiter à demander un avis dermatologique dès qu'apparaît quelque chose de nouveau sur la peau, dès qu'une chose ancienne se met à grossir, se modifie en forme ou en couleur, démange, saigne quand on la touche. Cette attitude se justifie par le fait que certains mélanomes ont une croissance très rapide et sont par conséquent repérés. Une fréquence annuelle ou biannuelle, cette vigilance de tous permet de repérer des lésions suspectes de façon précoce. En effet, plus un mélanome est dépisté tôt, plus on a de chances d'intervenir avant qu'il ait eu le temps de fabriquer des métastases et donc de pouvoir l'enlever chirurgicalement sans qu'il y ait de suite. Lorsque l'on a de multiples grains de beauté qui rendent difficile l'auto-surveillance, lequel est suspect, lequel a changé? A fortiori si on a déjà eu un mélanome, il faut faire appel à un dermatologue qui jugera si des photographies de référence ou des contrôles réguliers par dermoscopie sont nécessaires, pour mieux détecter des changements. Pour les patients les plus à risque, des outils d'imagerie photographique de surveillance, PhotoFinder, sont disponibles et permettent d'analyser de nombreuses lésions et leurs changements dans le temps de façon plus objective. Pensée collective. Enfin, il faut penser à sa famille. Protéger ses enfants d'autant plus que l'on a soi-même des facteurs de risque, que ses enfants ont potentiellement les mêmes, et éventuellement demander un conseil génétique auprès d'un centre dermatologique spécialisé. S'il y a une histoire de mélanome chez plusieurs membres de la famille.